Salut, c'est Fabien du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les produits laitiers et le calcium. Est-ce que nos enfants doivent absolument consommer des produits laitiers? Quels sont leurs besoins en calcium? Et où trouver d'autres apports de calcium? Depuis toujours, le lait de vache, c'est un produit qui est ancré dans la famille. C'est quelque chose qu'on consommait à l'école quand on était petit. Enfin, moi, quand j'étais en maternelle, on nous donnait des petites briquettes de lait avec un morceau de 4 quarts, je crois, ou de pain d'épices. Alors moi, je n'aimais pas le lait, donc j'en buvais pas. J'avais peut-être de la chance, on ne sait pas. Du lait, on en consomme souvent au petit-déj. Les enfants, avec les céréales. Les parents, avec le café. Les enfants aussi en consomment au goûter, parfois même avant de se coucher, pour les plus petits. On consomme aussi des produits laitiers, que ce soit du fromage, des yaourts, du beurre. Donc, quasiment dans toutes les familles, on consomme des produits laitiers chaque jour et en grande quantité. On consomme beaucoup de produits laitiers parce que souvent on aime bien ça. Moi je sais que j'adore le fromage, on cuisine au beurre, les enfants mangent des yaourts et puis le lait peut servir le matin dans les céréales ou dans le café. Donc ce produit qui s'est vraiment ancré dans le frigidaire des Français, on ne sait pas au final si c'est un bon produit ou si c'est un mauvais produit. Si on écoute les industriels, bien évidemment, ils vont nous dire que c'est un excellent produit. Pourquoi ils nous disent ça? Puisqu'il est riche en calcium. Et on cesse de nous rabâcher que pour la croissance des enfants, il est très important d'avoir une bonne source de calcium pour bien grandir, pour se protéger des fractures, pour éviter l'ostéoporose chez les personnes plus âgées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on entend un petit peu tout sur le lait. On entend qu'il serait mauvais pour la santé, qu'il augmenterait le risque de certains cancers, qu'il augmenterait le risque des AVC, qu'en fait le lait d'aujourd'hui n'est plus le même qu'autrefois. Il est tellement trafiqué qu'on ne sait plus trop en fait ce qu'il y a dedans. On nous dit aussi que quand on n'est plus enfant, et bien en fait on ne peut plus digérer le lactose. Mais à côté de ça, on nous dit que le lait est également très important pour la santé. Et puis notre médecin nous dit qu'il faut en consommer 3-4 par jour, notamment énormément pour les adolescents qui sont en pleine croissance. On ne sait plus si on doit écouter les bruits de couloir qui disent que c'est plus très bon, si on doit écouter le médecin qui nous dit que si, il faut absolument en manger. Ton médecin, il y a de grandes chances qu'il suive en fait les recommandations officielles. Les recommandations officielles, elles sont données par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alimentation et santé. C'est normal que ton médecin y suive ces recommandations puisqu'elles sont faites par des experts, par des gens qui connaissent très bien, qui sont souvent eux-mêmes médecins et qui sont experts du domaine. Donc forcément, on est obligé de leur faire confiance. Ce sont des gens qui regardent les études faites sur le sujet, donc on peut leur faire confiance. Alors c'est là où il faut être un petit peu critique. Sur les 33 experts qui sont chargés de définir les besoins en calcium des adultes et des enfants, 26 travaillent soit avec l'industrie agroalimentaire, soit avec l'industrie pharmaceutique. Ce sont des données officielles qu'on peut d'ailleurs consulter sur le site de cette agence. Non, bien évidemment, mais même en étant le plus honnête possible, comment peut-on être sûr que ces experts ne vont pas avantager les gens qui les paient? Le vrai problème en tant que parent, c'est qu'on ne connaît même pas les besoins nutritionnels en calcium de nos enfants et on ne connaît même pas la quantité de calcium dans le lait. Bien souvent, on fait confiance les yeux fermés à ce que certains experts vont nous dire et on agit un petit peu bêtement en faisant ce qu'on nous dit. Dès la naissance, si on n'allaite pas, eh bien, on donne du lait de vache à notre bébé et puis ensuite, on continue cette habitude en lui donnant du lait jusqu'à ses 5, 6, 7 ans, et puis s'il aime ça, eh bien, il continue à en boire, et une fois arrivé adulte, eh bien, il consomme du lait ou des produits laitiers tous les jours, et souvent en grande quantité. Et tout ça sans jamais savoir nos besoins réels en calcium. On consomme quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors déjà, avant de savoir la quantité de calcium qu'il y a dans le lait, il faut déjà savoir la quantité de calcium dont on a besoin. Si on suit les recommandations officielles en France, les enfants auraient besoin de 700 mg de calcium jusqu'à 6 ans. Si on en suit les dernières études sur le sujet, on est plutôt à 400 mg jusqu'à 3 ans et 450 entre 4 et 6 ans. Donc là, très bien, on se dit, il suffit de regarder sur la bouteille de lait combien il y a de calcium au litre et on boit ça en conséquence. Alors en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. Il faut savoir que pour bien absorber le calcium, nous avons besoin d'avoir un bon apport en vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Donc quand on se met au soleil, notre corps synthétise de la vitamine D. Mais il faut savoir qu'entre octobre
et mai, les rayons du soleil ne sont pas assez forts pour que nous puissions assez synthétiser de vitamine D. Donc il faut absolument se supplémenter pendant tout l'hiver, c'est primordial. Ensuite, nos besoins en calcium sont augmentés quand on a une consommation qui est trop riche en sel, trop riche en protéines. Donc très clairement, si l'enfant n'est pas supplémenté en vitamine D l'hiver, s'il mange trop de protéines, c'est-à-dire des légumineuses et surtout de la viande tous les jours, trop salée, c'est-à-dire que on sale tous les plats ou on mange trop de produits industriels, eh bien ses besoins en calcium sont plus importants. Donc première chose pour sa santé, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, tous les besoins en calcium, on se supplémente l'hiver, on réduit les protéines et on évite le sel dans l'alimentation. Alors c'est vrai que le lait est une bonne source de calcium puisqu'il y a environ 120 mg de lait pour 10 centilitres de calcium. C'est-à-dire qu'en 3-4 verres de lait par jour, tous les besoins des enfants sont couverts. Par contre, il n'y a pas que du calcium dans le lait. Il y a une récente étude suédoise qui a montré que la consommation de plus de 3 verres de lait par jour comparée à 1 verre ou moins, le risque de mortalité était multiplié par 2 chez les femmes, toutes causes confondues. Une autre étude a montré que la consommation de 3 à 4 produits laitiers par jour avait un lien avec les maladies de Parkinson, du cancer de la prostate ou encore celui des ovaires. Dans le lait, il y a aussi de l'insuline bovine. À cause de notre trop forte consommation en gluten, les parois intestinales deviennent perméables. Et l'insuline des bovins passe dans notre sang. Notre corps a du mal à faire une certaine différence et ça augmente le risque de diabète de type 1. Dans le lait, il y a aussi des hormones de croissance qui sont destinées à faire grandir un veau et non pas un enfant ou encore moins un bébé. Il y a aussi des œstrogènes qui sont une hormone féminine. Alors chez les femmes, le problème c'est qu'en cas de cancer, ils croissent plus vite, les cancers du sein et de l'utérus notamment, croissent plus vite quand il y a beaucoup d'œstrogènes dans le corps. Et pour les hommes, les œstrogènes jouent un rôle sur la production de testostérone. Le cerveau ne reçoit pas vraiment les bons messages, donc ce qui veut dire que pour ceux qui font de la gonflette, vaut mieux arrêter le lait. Donc dans le lait, il y a aussi du lactose. Le lactose, c'est un sucre. Pour digérer ce sucre, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle le lactase, qui est présent chez les bébés. Et puis, une fois que l'allaitement est terminé, ça diminue petit à petit jusqu'à le perdre. Et si on n'a plus cette enzyme, il y a un risque de ballonnement, de diarrhée, de maux de ventre dû au fait qu'on n'arrive pas à digérer le lactose. Il faut savoir que ça concerne à peu près 70% de la population. Dans le lait, il y a aussi de l'albumine de sérum bovin qui est impliquée dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi de la xanthine oxydase qui pourrait endommager les artères. Il y a également une trop grande présence de phtalates. Il y a également de la casomorphine qui perturbe le système immunitaire et des chercheurs ont montré un lien, notamment avec le syndrome de mort subite du nourrisson. Alors c'est vrai que quand on a entendu ça, on se pose un petit peu des questions. Donc pas de panique, jusqu'à 1 ou 2 produits laitiers par jour, les chercheurs disent que c'est plutôt OK. Ça commence à devenir un petit peu problématique à partir de 3-4, où là, il y a différents facteurs qui se mettent en route, différents risques qui sont liés à cette consommation. Donc le lait, les produits laitiers doivent rester un produit plaisir. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut bien trouver d'autres sources de calcium. Bon déjà, il faut savoir que si tu as une alimentation saine, si tes enfants mangent bien, normalement, leurs besoins en calcium sont couverts. Alors, les produits riches en calcium. En 1, on a les choux. Tous les choux sont très riches en calcium. Le plus riche, c'est le chou chinois. Le chou chinois contient 300 mg de calcium au 100 g. Nous, on en mange très régulièrement du chou chinois. On peut le manger cuit ou cru. Nous, on le préfère cru. Après, c'est comme on veut. Une autre source excellente de calcium sont les sardines avec les arêtes. Il y a 250 mg au 100 g. Donc, tu vois déjà qu'en 100 g de sardines, tu as déjà couvert une bonne partie des besoins de l'enfant. Également, tous les fruits. Dans les fruits, il y a entre 40 mg et 200 mg de calcium au 100 g. Donc une alimentation riche en fruits permet de couvrir les besoins en calcium. Et un autre aliment qui est aussi riche en calcium, qui est simplement l'eau. Donc il y a du calcium dans toutes les eaux. Les eaux qui ont le plus de calcium sont courmayeur, contrex et épars, qui ont environ entre 500 et 600 mg de calcium au litre. Et le calcium de l'eau est légèrement mieux assimilé que celui du lait. Donc si tu as des inquiétudes par rapport au calcium, achète ces eaux-là et t'es tranquille. Ce qui est à peu près sûr aujourd'hui, c'est que trop de calcium serait plus mauvais que moins de calcium. Diverses études ont montré qu'une trop grande consommation de calcium était liée à plus de fractures des os et une consommation plus basse à moins de fractures. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que les produits laitiers, c'est une source de calcium, mais ce n'est pas la source unique du calcium. Ce n'est pas un passage obligé pour avoir du calcium pour les enfants.
Nous, chez nous, il n'y a pas de produits laitiers. Le seul produit laitier, c'est l'allaitement. Donc Arthur a été allaité jusqu'à 25 ou 26 mois, je crois. Gaspard est toujours allaité et ça continuera jusqu'au sevrage naturel. Une fois qu'il sera sevré, comme Arthur, eh bien, dans l'alimentation, il y aura du chou, de l'eau, mais bon, nous, on boit de l'eau en bouteille, pas forcément de l'eau riche en calcium. On mange pas mal de fruits. Il faut savoir aussi que les oléagineux sont riches en calcium. Il y a 250 mg de calcium pour les amandes. Alors 100 g d'amandes, c'est beaucoup, mais si on en mange 10 g par jour, ben, on a déjà encore des apports en calcium. Pour nous, les produits laitiers, c'est vraiment uniquement produits plaisir. C'est uniquement du fromage de temps en temps. Tu l'as vu peut-être en vacances, on a acheté un petit peu de crème fraîche parce qu'elle était bio, elle était locale et puis elle était vraiment, vraiment très bonne. Aujourd'hui, le lait industriel n'a rien à voir avec le lait de nos grands-parents. Aujourd'hui, le lait, il est standardisé, c'est-à-dire qu'il a toujours, toujours le même goût. Certes, les élevages sont locaux. Il faut savoir qu'un éleveur, il doit vendre son lait à peu près 30 centimes du litre, ce qui n'est rien. Il ne peut pas faire de la qualité en vendant un produit à ce prix. Ce qu'on peut faire aussi pour remplacer le lait de vache, eh bien, on peut choisir tout ce qui est lait végétaux. Donc, l'un des meilleurs, c'est le lait d'amande, donc qui est riche en bonne graisse. Il coûte un petit peu plus cher, c'est vrai. On peut le prendre avec un peu moins d'amandes ou on peut le faire soi-même. Il y a aussi le lait de soja, le lait de riz, le lait de coco. Nous, c'est ce qu'on fait quand on veut du lait, quand on veut faire par exemple des gâteaux ou par exemple, bah, toi, en ce moment, je me fais des muesli le matin, c'est-à-dire que je me prends des amandes, des noix, des noisettes, des fruits secs, je mets ça dans un bol, je mets un petit peu de lait d'amande, voilà, je mange ça. Arthur, lui, bon, il aime pas trop, il préfère manger les amandes et les fruits secs comme ça, ou il préfère manger un œuf, ça dépend des matins. En ce qui concerne tout ce qui va être crème fraîche, tu peux prendre aussi des crèmes végétales, tu as des crèmes de soja pas, qui sont dans le même style, ou des crèmes d'amande, un petit peu, qui peuvent remplacer la crème fraîche. Après, si tu es habitué à prendre de la crème fraîche, on peut retrouver un petit peu la même texture en utilisant de la purée d'amande. Au début, c'est ce qu'on faisait, maintenant, j'avoue qu'on cherche même plus à remplacer la crème fraîche. La crème fraîche a disparu de l'alimentation, bah, du coup, on mange d'autres choses, tout simplement. Si tes enfants sont friands de yaourt, il faut vraiment faire attention à leur composition. Fais bien attention à leur quantité en sucre, en colorant, tout ce qui est additif. Ça, faut vraiment, vraiment être vigilant là-dessus parce que ça, c'est vraiment des vrais poisons pour la santé. Si tu veux continuer à acheter des yaourts, prends vraiment des yaourts de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que bien souvent, la consommation en calcium est surestimée. Nous n'avons pas besoin d'autant de calcium qu'on veut bien nous le faire croire. Pour bien absorber le calcium, il faut être bien supplémenté en vitamine D l'hiver, bien profiter du soleil l'été. Il faut manger peu de protéines, mais des bonnes protéines. Il faut également manger sans ou avec très peu de sel, donc en évitant les produits industriels et en évitant de saler nos plats. On peut garder les produits laitiers comme une source de calcium jusqu'à 2 produits max par jour. Et surtout, on boit de l'eau, on mange des fruits, on mange des oléagineux, amandes, noisettes, du chou. Alors c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours très friands de chou, notamment le chou cuit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du chou cru. On le coupe, on le met en mélange avec de la salade, et puis bah, on met un petit peu d'huile, on assaisonne, et Arthur adore ça, c'est très très bon. Et puis également, pense aux sardines, les sardines qui sont riches en oméga-3. Les oméga-3, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Riches en oméga-3 et en calcium, à consommer avec les arêtes. Et avec tout ça, les apports des enfants sont très bien couverts, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors je suis actuellement en train de préparer un atelier sur l'alimentation de l'enfant. Comment bien faire manger un enfant, comment le faire manger, comment lui faire manger des légumes, comment manger sainement, comment cuisiner rapidement mais sainement. Tu peux pré-réserver ta place à l'atelier en cliquant sur le « i » dans YouTube ou dans le statut Facebook. Et comme te le disait Amélie dans un mail envoyé il y a quelques jours, n'hésite surtout pas à aimer la vidéo si tu l'as vraiment aimée, car plus il y a d'interaction sur notre vidéo et plus elle sera vue par un grand nombre. Donc pour nous aider, eh bien tu peux l'aimer, tu peux la commenter et encore mieux, tu peux la partager. Moi, je vais retourner bosser sur mon atelier. Ça me prend énormément de temps. Il y a énormément de choses à voir, mais je tiens vraiment à avoir un truc parfait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants.